Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on fait quelques semaines sans filmer. Je suis très contente de reprendre ma caméra aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci d'être là. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Commencez à liker la vidéo maintenant les amis. Surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Vidéo, je sais, ça fait longtemps, ça fait longueur, comme on dit chez nous. Je ne me suis pas assise devant ma caméra pour vous parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Je n'avais pas prévu mettre beaucoup de temps comme ça sans poster, pas du tout. Je n'avais pas prévu mettre plusieurs semaines sans poster. Ce qui s'est passé au départ, c'est que je me suis sentie fatiguée, j'ai eu mal au dos et je me suis dit, je me repose pendant quelques jours et je reprends à poster. Il était question que la prochaine vidéo arrive le 4 janvier. Quand je n'ai pas pu poster, je me suis dit, bon, je me repose un peu quelques jours. Sauf que le piège du repos, quelques jours sont devenus plusieurs semaines. Vraiment désolée, ce n'était pas du tout prévu. Je me suis dit, je me repose quelques jours. Je me suis reposée, me reposée. Le repos avait un goût, un de ses goûts. Mais ça, c'est le piège en fait. Non, là, j'ai dit, je mets ma caméra. Je vous parle et je vous poste la vidéo que j'avais filmée avant. Parce que j'ai fait une vidéo, je crois, le 30 ou le 31 décembre, où je suis sortie avec les enfants. J'ai monté et je n'ai pas pu vous poster la vidéo. Je me suis dit, je me repose un peu. Et la suite a continué comme je vous ai dit là. Donc, merci infiniment à toutes celles qui sont venues me demander Inbox comment je vais. Merci infiniment à toutes celles qui ont réagi en commentaire les autres vidéos pour savoir où je suis. Vraiment, les amis, merci beaucoup. Merci de vous être inquiétés pour moi. Je suis vraiment contente. Vous êtes une famille. Mais alors, merci. Merci vraiment, les amis. Je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir vous poster enfin une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps et puis moi aussi ça m'a manqué. En réalité, à moi aussi ça m'a manqué. Ça m'a manqué de vous parler comme ça et j'espère que vous allez bien commencer l'année. Une fois de plus, bonne année. Je vous ai souhaité bonne année par anticipation. On était, je crois, le 30 décembre dans la dernière vidéo de l'année 2023 où je vous ai souhaité bonne année et là, je vous dis encore. Bonne année. J'espère vraiment que l'année a bien commencé chez vous. Et même si ça n'a pas très bien commencé chez vous, parce que chez moi, hein, ça commence un peu comme ça. Hein. Ma mère était malade, donc. Et même si ça n'a pas très bien commencé, ça va aller. Ça va aller. Gardons nos regards fixés. Fixés vers Dieu, fixés vers la foi, fixés vers la joie, fixés vers nos objectifs, fixés vers la paix. Ça va aller. Ça va aller, je sais que ça va aller. Bon, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois enfants. La trentaine révolue. Les anciennes, vous connaissez déjà mon âge. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez être mon âge exact. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman. Bref, c'est en grande partie la vie de maman. Je partage avec vous ma vie de maman, mon quotidien de maman, mon lifestyle camerounais en tant que maman. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Partagez autour de vous parce que si à vous ça a plu, ça peut plaire à plusieurs autres personnes autour de vous. Et si ça vous a impacté, alors partagez. Partagez, ça peut impacter d'autres mamans. Les retours que je reçois, oh Seigneur, ça c'est, comment dire, ça c'est la paye de ce travail. Même si YouTube ne paye pas beaucoup au Cameroun, les retours que moi je reçois, la joie que ça m'apporte, ça c'est vraiment la paye que je reçois. Vraiment, je suis très contente pour celles qui ont été changées à partir de mes vidéos, celles qui ont été impactées positivement à partir de mes vidéos. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je suis très contente. Demeurez bénie, soyez bénie. Une fois que vous êtes entré dans la motivation, ne vous découragez plus. Allez-y, foncez. Et même quand il y a les moments de down, les moments de off, que ça ne dure pas beaucoup.
vraiment que ça ne dure pas beaucoup. J'étais peut-être off des caméras, mais la vie a suivi son cours, la maison a suivi son cours. En début janvier, j'ai enlevé les décorations, j'ai remis la maison à zéro, même si je n'ai pas filmé. Les motivations continuent, le ménage continue, les routines continuent, l'organisation de la vie de maman continue. Donc, ça n'a pas duré longtemps mon off. Sauf que quand j'ai repris mes forces, je n'ai pas forcément directement pris la caméra. Hors caméra, la vie a le goût. Et du coup, quand on décide de se mettre hors caméra, on risque de rester longtemps. Oh, YouTube est aussi un travail pour moi. Je suis obligée de revenir et je vous dis merci. Merci infiniment à toutes celles qui ont liké, même si c'est une seule fois ma vidéo au courant de l'année 2023. Ça m'a motivée de ouf, vous n'avez même pas idée. Merci infiniment les copines, merci. Que Dieu vous bénisse. Durant l'année 2023, j'ai vraiment bossé sur YouTube. Cette année-là, ma chaîne a beaucoup grandi. Merci infiniment. J'ai beaucoup travaillé durant l'année 2023. J'ai commencé à poster ma première vidéo 2023, peut-être le 5 janvier comme ça. Ayant fait 3 mois de repos à cause de mon début de grossesse qui m'a vraiment cloué à la maison avec tous les problèmes que j'ai. Je vous ai déjà dit, pour celles qui veulent connaître plus, peuvent rentrer dans les anciennes vidéos pour avoir plus d'informations. Et quand j'ai posté la première vidéo le 5 janvier 2023, je n'ai plus jamais fait plus de 7 jours sans poster. Et cette motivation-là, c'est grâce à vous. Même quand j'étais un peu souffrante à cause de la grossesse, même quand j'étais à l'hôpital avec le nouveau-né, j'ai continué à bosser, travailler, poster. Et ça, grâce à votre support. Merci infiniment à toutes celles qui m'ont soutenue durant 2023. Merci beaucoup les amis. Merci de tout cœur. C'est grâce à vous qu'on a pu atteindre les 10 000. Aujourd'hui, nous sommes à 11 000. Et pour les 10 000, j'ai dit, je fais un jeu concours. Vous avez participé. J'ai pris le temps de noter. Il n'était pas question que je revienne avec le résultat du jeu concours plusieurs semaines après. Et je suis vraiment désolée les amis. Toutes mes excuses pour ça. C'était pas évident, comme je vous ai expliqué. Donc, quand j'ai tout recopié, j'ai mis dans un bol, on a tourné, Elsa a piqué. Elsa a piqué une personne, une d'entre vous gagne la bougie parfumée, le pot de bougie parfumée qu'elle ira récupérer à la boutique à Gare Décoration. Je prie la personne de me contacter, de m'écrire en commentaire ou alors de m'écrire inbox en description, il y a tous les moyens pour me contacter. Donc, de m'écrire, il s'agit de Betty NK. Betty NK, c'est toi qui as gagné le pot, c'est toi qui as gagné la bougie parfumée. Alors, je vous dis merci, merci beaucoup, beaucoup. Contacte-moi pour qu'on trouve le moyen pour que cela arrive à toi. Alors, merci, merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir participé. Merci à toutes celles qui sont à l'extérieur d'avoir participé pour soutenir la chaîne. Merci. J'espère et je prie Dieu qu'il puisse nous donner la possibilité de faire plus. La possibilité d'offrir plus. C'est ça que je demande en fait. S'il y en a, on va aussi partager ensemble parce que c'est grâce à vous que la chaîne grandit. Une fois de plus, merci pour les 10 000 abonnés. Voici 2024, je compte sur vous. Vous pensez que d'ici la fin d'année, on peut être à combien d'abonnés? De toutes les façons, laissez-moi en commentaire quels sont vos pronostics. En 2023, on a atteint les 10 000 abonnés, on a atteint 1 million de vues sur la chaîne et on a atteint 100 000 heures de visionnage. Merci infiniment. Quand je vois comment j'ai commencé en 2020, pour faire 4 000 heures de visionnage, il m'a fallu un an. Et là, 100 000 heures de visionnage, 3 ans plus tard, oh là là, je suis trop contente. Merci d'être là. Merci d'être là pour supporter ma chaîne, même quand la qualité d'image n'est pas bonne. Merci infiniment. Même quand la voix n'est pas bonne, merci infiniment. Merci les amis. Merci beaucoup. Aïe, je suis trop contente. Le fait de m'asseoir comme ça derrière la caméra pour vous parler après plusieurs semaines, non mais je suis trop contente. Merci, merci, merci les amis. Merci beaucoup. Un autre de mes objectifs pour ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir avoir du matériel, du bon matériel. Et je prie Dieu pour ça. Et je vous exhorte, vous, mes copines, de prier pour moi, pour que je puisse avoir du bon matériel afin de vous servir
l'image de qualité. Désolée pour la qualité d'image, les amis. Je me suis rendu compte que je n'avais pas très bien cadré. Et désolée pour ça. Et merci d'être là. Merci d'être là, même quand il y a des erreurs de cadrage, même quand il y a des erreurs de prise. Merci beaucoup. Merci d'être là, même quand la qualité d'image n'est pas bonne. Merci, les amis. Mais comme je vous ai dit, je vous prie de vous joindre à moi pour supplier Dieu afin qu'il puisse nous donner le matériel de qualité cette année, qu'il nous donne une caméra de bonne qualité avec l'éclairage de bonne qualité. La motivation est là, les idées sont là. Ce qui manque à cette chaîne, selon moi, c'est une image de qualité. Alors, comme je vous ai exhorté, je compte sur vous. Une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Merci beaucoup d'être resté vraiment. Désolée pour tous les bruits qu'il y a eu dans cette vidéo. Nous sommes en journée, les enfants sont à la maison et il y a les motos qui passent. Désolée pour les bruits. Je ne saurais vous remercier pour votre support durant l'année 2023 sans vous exhorter de continuer à porter la chaîne durant l'année 2024. Alors les amis, merci. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!